stop. Yo tout le monde, c'est Lit, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça a plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur du très mythique entrepôt de Lester que l'on a l'occasion de voir en mode histoire ou dans les récentes mises à jour braquage. La seule différence de cette vidéo est que l'on va y accéder en mode libre online. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous inviter à lâcher un petit like de toute urgence ainsi qu'à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir et si vous voulez voir une vidéo riche en humour et en délire, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo Course What the Fuck numéro 2 plus Funny Moment. Pour réaliser le glitch, munissez-vous d'un véhicule et rendez-vous à l'entrepôt de Lester après le pont. Une fois arrivé à destination, vous devrez coller votre véhicule à la remorque blanche et grimper sur cette dernière à l'aide de votre véhicule. Ensuite, allez sur le toit et placez-vous au même endroit que moi, c'est-à-dire entre l'échelle et l'armature grise, soyez précis. Il ne vous restera plus qu'à sortir votre téléphone et à lancer une activité de Simeon, Lamar, Martin ou bien Lester. Veillez bien à ce que l'activité lancée soit uniquement une mission afin de ne pas louper le glitch. Quand vous arrivez dans le menu de l'activité, faites un bac et quittez l'activité. Vous pourrez donc vous rendre compte que vous êtes désormais dans ce fameux entrepôt. Reste à préciser qu'une seule et unique pièce supplémentaire est accessible, en plus de la principale. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-moi le savoir en lâchant un petit like ainsi qu'un commentaire avec votre avis, comme je vous le disais, ça m'encourage vraiment à continuer mes vidéos. Et pour suivre la suite de mon aventure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers.